là on a un sujet important à traiter. Et aujourd'hui évidemment on va parler de catch. Oui, c'est une chaîne YouTube où on parle de catch, mais on va plus précisément parler de la réticence que les parents peuvent avoir quand leurs enfants veulent s'inscrire dans une école de catch. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui pourraient s'identifier dans ce genre de situation parce que j'y étais moi-même confronté, mais au final pas vraiment quand j'y repense, parce que je me souviens quand j'ai été voir mes parents pour leur demander de faire du catch, j'avais ma mère qui était un petit peu réticente à ce sujet, mais au final après quand je me suis inscrit, ils ont vu que c'était quelque chose qui me plaisait et qui me rendait heureux, donc ils m'ont toujours poussé là-dedans à tant que, peu importe le sport que je faisais, tant que j'étais épanoui là-dedans et que j'étais heureux, c'était ce qui était le plus important pour eux. Donc moi personnellement je me considère assez chanceux, mais il y a une chose aussi que je me souviens, c'est que j'avais cette appréhension de leur demander d'aller m'inscrire dans une école de catch, parce que c'est pas vraiment quelque chose de très commun. En général, les parents, ils ont plus l'habitude d'entendre leurs enfants dire « Oh, j'aimerais bien faire du foot, j'aimerais bien faire du basket, j'aimerais bien faire du tennis, mais pas vraiment du catch. » Et justement, c'est pas le cas pour tout le monde, parce que j'ai déjà pu entendre des histoires de personnes, et plus particulièrement des adolescents qui veulent se lancer dans le catch, mais que les parents ne sont pas forcément très favorables à cette idée. Et oui, je parle des adolescents en particulier, parce que en dessous de 18 ans, quand tu vis encore chez les parents et que tu veux te lancer dans un sport, tu as besoin de l'accord parental. Ce qui n'est pas vraiment le cas quand tu as 18 ans et plus, parce que là tu es majeur et tu peux prendre tes propres décisions. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va passer en revue des choses qui pourraient être la cause de la réticence des parents. Mais on va aussi voir ensemble les choses que je juge intéressantes que l'on apprend dans une école de catch. Et ça s'arrête pas uniquement sur l'aspect catch en lui-même, mais ça va aussi avoir des répercussions sur d'autres aspects de la vie. Et par rapport à ses avantages, ça va peut-être éventuellement convaincre tes parents qui sont un petit peu réticents à ce sujet. Mais ça va être dans la deuxième partie de la vidéo. D'abord, on va aborder les points sur lesquels pourquoi les parents ont des réticences par rapport au catch. Il peut y avoir différentes raisons, mais par exemple, la première raison que j'ai déjà pu entendre, c'est par rapport aux blessures potentielles. Et effectivement, c'est des choses qui peuvent arriver, je serais un menteur de dire le contraire et qu'il n'y a pas de risque de blessure. Mais il n'y a pas forcément beaucoup plus de risques que d'autres sports, comme par exemple les sports de combat, le rugby ou tout autre sport de contact. À partir du moment où tu trouves une bonne école avec des bons formateurs, tu vas apprendre à bien chuter, à comment bien te protéger, tu vas savoir comment bien te placer dans un ring pour justement minimiser le risque de blessure, même si on sait que le risque zéro n'existe pas. D'ailleurs, j'ai justement fait une vidéo où je parle des différentes écoles de catch, donc si jamais tu es à la recherche d'une école de catch où t'inscrire, je vais te mettre le lien dans la description, ou bien en haut, il y a un lien qui va apparaître, et je t'invite à aller visionner cette vidéo si jamais tu es à la recherche d'une école de catch. Mais avant, tu regardes cette vidéo et puis tu vas voir l'autre vidéo. Faut bien que je pense à mon watch time aussi. Il y a une autre raison aussi qui peut être impliquée dans la réticence des parents, et c'est par rapport à la violence perçue. Faut savoir une chose, c'est que nous, dans le catch, l'objectif numéro un, c'est de raconter une histoire. Et pour raconter une histoire, on peut passer par plusieurs types d'émotions. Ça peut être la joie, la colère, la tristesse ou toute autre émotion. Et quand il s'agit de violence, c'est de la violence maîtrisée. Nous, notre but, c'est pas de détruire ou de mettre KO notre adversaire, contrairement à la boxe ou le MMA, où là, vraiment, c'est l'objectif numéro 1, et qui, par la même occasion, peut être plus violent que le catch. J'utilise souvent l'exemple de la boxe et du MMA, parce que je sais que c'est quelque chose que j'entends souvent. Et bizarrement, j'ai l'impression que les parents auront tendance à plus accepter que leur gamin fasse de la boxe ou du MMA plutôt que du catch. Je trouve ça quand même assez ironique. Et là, je vais faire une parenthèse parce que je sais qu'il y a certains types de personnes qui pourraient arriver dans les commentaires et me dire « Ouais, mais le catch hardcore, c'est violent, nanani, nanana. » Et oui, effectivement, le catch hardcore, c'est violent, mais c'est de la merde et c'est pas quelque chose que je te conseille de faire. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est plus le catch genre WWE, le type de catch que tu peux voir à la télé. C'est le catch que moi, je fais. Et c'est pas forcément le type de catch le plus violent et le plus dangereux par rapport à d'autres sports. Même si ça reste quand même physique, on subit quand même des coups et des impacts. Faut pas penser que c'est tout rose non plus. Mais après, je te dirais que c'est comme dans tout autre sport. Ça demande de l'entraînement et de la discipline. Donc, on a pu voir que les parents pouvaient être réticents pour le côté violent et les blessures. Mais d'un autre côté aussi, j'ai déjà pu entendre des parents qui sont réticents parce que le catch c'est soi-disant fake et que c'est scénarisé. Et cette analyse, ça m'a toujours fait rire parce que le catch, si j'en suis leur logique,
ça peut être fake, scénarisé, mais ça peut être violent et ça peut engendrer des blessures en même temps. Donc, il faudra un jour m'expliquer cette logique parce que pour moi, c'est pas logique du tout ce qu'il raconte. Et d'ailleurs, je vois pas c'est quoi le problème d'avoir des trucs scénarisés dans le catch. Parce que regarde, simple exemple, quand tu regardes un film, il y a des acteurs, il y a une histoire, c'est scénarisé, et pourtant, t'as tout le monde qui regarde et t'as personne qui critique le fait que ce soit scénarisé. Le catch, c'est un show, c'est un spectacle, il faut le regarder un peu comme si tu regardais un film ou une série. Il y a des histoires, il y a des personnages, il y a des gentils, il y a des méchants, c'est comme un film en fait, si tu en suis un petit peu la logique. Et nous, notre but en tant que catcheur, c'est de vous divertir les gens qui viennent nous regarder. À partir du moment où vous voyez le catch plus sous cet aspect-là, plutôt que l'aspect compétitif type boxe ou MMA, vous allez être capable de mieux comprendre la discipline. Au début de la vidéo, je t'avais parlé des aspects positifs que le catch pouvait t'amener, que dans la vie, au quotidien ou dans les choses que tu vas pouvoir entreprendre. Parce que oui, le catch, c'est pas uniquement deux mecs en slip dans un ring qui se foutent sur la gueule. Non, c'est bien plus que ça. Le catch, ça va t'inculquer la discipline, le respect, et ça, c'est quelque chose que tu peux transmettre et mettre en place dans ta vie au quotidien et avec ton entourage. Ça va aussi développer ton physique et ton mental, et crois-moi que quand tu fais des entraînements de catch, plus si tu vas t'entraîner à la salle de sport sur le côté, ton physique va se développer. Et en plus de ça, tu vas te renforcer, donc tu seras plus solide physiquement. Mais ça va aussi te développer un bon mental. Et ce mental, ben, ça va t'aider à surmonter des épreuves de la vie. Ça va aussi t'aider à réaliser des défis que tu vas vouloir te lancer. Comme autre chose positive, c'est que ça va aussi t'aider à développer ta confiance en soi. Parce que oui, c'est sûr que d'être au milieu d'un ring, en sous-vêtements, devant des gens, ça demande une certaine confiance. Mais ça c'est quelque chose, même si tu ne l'as pas au départ, c'est quelque chose qui va se développer avec le temps. Et ça d'ailleurs c'est un point qui me concerne parce que au début quand j'ai commencé le catch, j'avais très peu de confiance en moi. Et le catch ça m'a vraiment aidé à développer cette confiance. Le catch ça va aussi t'aider à développer ton esprit d'équipe. Ça aussi c'est des choses que tu apprends aux entraînements, le fait de s'entraider les uns les autres. Faut pas oublier que le catch ça reste un travail d'équipe et ça c'est quelque chose que tu peux appliquer aussi au quotidien, que ce soit à la maison ou à ton travail. Donc si je devais conclure cette vidéo par un message, je dirais juste simplement d'être parent, d'être un petit peu plus ouvert d'esprit et de vous intéresser un petit peu plus à cette discipline avant de la juger sans forcément connaître. Parce que malheureusement, le catch n'a pas toujours eu une bonne image au fur et à mesure des années, surtout à cause des médias. En fin de compte, le catch, c'est plus qu'un spectacle parce que ça peut être source de croissance personnelle, de moments inoubliables, mais aussi d'apprentissage. Donc si je peux me permettre en toute humilité de donner un conseil aux parents, si jamais l'un de vos enfants vient vous voir parce qu'il est passionné par le catch, il aime le catch et qu'il veut faire ça, prenez au moins le temps de l'écouter avant de tirer de mauvaises conclusions. Si ça te permet d'être épanoui dans ce qu'il fait, c'est ça le plus important au final, parce que j'imagine que l'objectif d'un parent, c'est de voir son enfant heureux. Et s'il est heureux dans le catch, ben je vous encourage à le laisser s'épanouir dans sa passion et de l'encourager, et vous allez voir qu'un jour, il vous sera reconnaissant. Mais quelle belle conclusion pour finir cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser savoir tes impressions dans les commentaires. Je t'invite aussi à liker, partager et à t'abonner. Et quant à moi, je vais te dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo.